Les Levantins ont leur légende disent qu'un certain rat, là des soins d'ici-bas dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué, on les avait contraints de partir sans argent. Attendu l'état indigent de la République attaquée, ils demandaient fort peu, certains que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister? Que peut-il faire que de prier le ciel qui vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. Ayant parlé de la sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un merlisse. Je suppose qu'un moine est toujours charitable.